Salut mes buzzers. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très très spéciale parce qu'on a pété les 1000 abonnés et ça fait super plaisir les gars, vous êtes au top, vous êtes vraiment les meilleurs. Du coup, cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous faire un tuto pour monter Ambre rang 25. C'est archi simple, vous allez voir. Et dans la deuxième partie, on va discuter des projets de la chaîne autour du fait qu'on ait eu les 1000 abonnés et vous allez m'aider à faire des choix. Allez, c'est parti dans le game. Donc, je vous ai montré, il faut prendre le pouvoir star Flamme Folle si vous l'avez et le gadget Briquette en pète, même si à l'heure où je fais la vidéo, Ambre n'a que ce gadget. Et là, le délire, ça va être d'aller sur la map Chute perdue en survivant solo et de rush le milieu de la map dès le début de partie. Pour être le premier au milieu, utilise directement le gadget pour accélérer et sécuriser vraiment plus vite. Et si tu peux, essaye de ne pas le faire tout de suite, mais un poil juste après que la game ait commencé. Comme ça, tu auras encore un peu de traînée de ta flaque dans le buisson et du coup, tu pourras charger tes ultis. Une fois que tu as chargé tes ultis, il suffira de les répandre. Donc, tu peux répandre deux flaques. Donc, tu les répands en fait de deux côtés différents du centre. Comme ça, ça va permettre d'éloigner les adversaires. Ce qu'il faut que tu fasses dès que tu as atteint le milieu et que voilà, tu t'es, on va dire, mis à l'abri, tu vérifies qu'il n'y a personne au milieu en tirant quelques petites flammes. Et puis surtout, tu dois beaucoup observer la périphérie, donc tout ce qu'il y a autour du milieu, pour voir de quel côté tu pourrais fuir si ça dégénère, voir s'il y a des brawlers qui sont en train de se battre, s'il y en a qui font des alliances, pour en fait tout simplement éviter les combats, éviter, en fait, pas forcément les combats, tu peux aller tirer à distance sur un brawler, mais il faut éviter les fights que tu vas perdre, par exemple s'il y a 3 BA alliés, évite de pointer ton nez. Ensuite, avec ton pouvoir star, voilà, je t'ai dit de charger l'ulti, donc tu restes près de la plaque et ça la recharge toute seule. Et ensuite, tu vas répandre ton jus le plus de fois possible donc autour et évite de gâcher, en fait, évite de forcément allumer ta flaque. Pourquoi ? La raison, elle est super simple. Tes flaques, c'est des zones où les adversaires, ils vont pas vouloir aller et donc du coup, ils vont avoir moins de cartes disponibles. Si tu veux, imagine que tes flaques, c'est un peu comme du poison et du coup, ça va rendre le comportement des adversaires plus agressif les uns envers les autres parce qu'ils auront plus beaucoup de place où se déplacer sainement. Et vu que les zones peuvent être assez larges, bah, ça peut vraiment faire la différence et accentuer l'agressivité des brawlers les uns envers les autres. Donc toi, ça t'avantage. Et si tu n'enflammes pas ta flaque, bah, potentiellement, on sait qu'il y a une menace et on n'a pas envie de déclencher. Il n'y a vraiment pas besoin de trop réfléchir. C'est juste être capable de ne pas se prendre trop de pression de la périphérie. Donc par exemple, s'il y a des BA ou des long range qui tirent dessus, bah, tu te colles au mur, tu te caches, t'évites de leur donner la chance de t'avoir. Et plus tu vas avoir de mid flaque autour de toi, plus tu vas restreindre artificiellement l'espace des autres brawlers, les forcer à se battre. Et en fait, tu vas gagner plus sur un plan stratégique que sur un plan technique. C'est l'intérêt en fait de la chaîne de Brawl Buzz, c'est aussi beaucoup de développer ta stratégie de jeu plus qu'en soit ta technique, parce que la technique ça se travaille on va dire avec l'entraînement, c'est pas juste en une vidéo que tu peux être fort, c'est en faisant beaucoup de games etc. Bref, je m'étends pas plus sur le sujet. Du coup, quand quelqu'un par contre va trop se rapprocher du centre, bah là pour le coup c'est facile, tu vas le cramer fort, donc tu vas allumer ta flaque. Et tu vas te faire respecter, tout simplement. C'est aussi une histoire de territoire, hein, Brawl Stars, surtout en survivant. Du coup, tu verras, tu vas enchaîner des victoires vraiment facilement. Et au pire, tu fais des top 5 quand il y a trop de pression, trop d'alliances, etc. Et souvent, tu feras des top 3, des top 2, voire des top 1. Ça va t'apprendre à bien contrôler le centre. Et ça peut t'aider pour d'autres brawlers comme Korbach. Je te mets la vidéo juste en haut, là, si tu veux aller voir. Ça marche un peu de la même manière. Du coup, mon buzzer, là, je t'ai donné les clés pour réussir à monter ta Ambre rang 25 et j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui concerne l'avenir de ma chaîne. Je suis assez investi sur cette chaîne depuis quelques mois. J'essaie de vraiment de faire des vidéos au moins une fois par semaine. Quand j'ai plus de temps et un peu moins de travail, j'en fais deux. Mais en ce moment, ça va être quand même compliqué parce que je suis en dernière année d'études. Mais j'aimerais savoir ce qui te plairait. Et pour ça, je voudrais que tu me dises dans les commentaires. Est-ce que tu veux que je fasse exactement la même chose, donc quasiment que des tutoriels pour monter des brawlers? Ou est-ce que tu voudrais que je te partage un peu plus de gameplay sur des trucs qui, moi, me font plaisir, que je me dévoile un petit peu plus? Est-ce que tu voudrais que je fasse plus de live? Donc, à savoir que c'est pas forcément facile de mettre en place des lives parce qu'il faut pas mal de matériel, mais je sais que je peux faire des lives qui sont pas forcément d'excellente qualité. Donc, est-ce que tu préférerais
que je mette en place plus de live, donc où je pourrais jouer avec toi. Donc je préviendrai sur les posts de communauté que je fais des lives tel jour. Du coup, si toi tu veux venir jouer avec moi, bah tu pourras, que ce soit en amical ou en rush de temps en temps. Donc c'est une idée. Alors ce sera pas tout le temps, mais c'est une possibilité. Et est-ce que ça t'intéresserait que je fasse une vidéo FAQ? Ou est-ce que ça t'intéresse pas forcément? Donc dites-moi, est-ce que vous, globalement, dites-moi dans les commentaires si vous préféreriez que j'essaye de nouvelles choses, et si oui, quoi? Ou alors, est-ce que vous aimez vraiment ce que je fais comme ça? Vous voulez pas forcément que ça change? Vous voulez que je continue de faire des tutos sur les brawlers? Ou alors, un peu des deux, mais à savoir que du coup, je ferai des fois des lives, des fois des tutoriels, et un peu à ma sauce. Je veux savoir ce qui vous plaît, parce qu'en fait la chaîne, ok, c'est une chaîne que moi je fais, mais c'est aussi une chaîne que je fais pour vous, donc pour savoir si ça vous plaît. Ok les gars, du coup là ce qui manque dans l'avenir, on va dire, de ma chaîne, ce qu'il faut qu'il se passe pour que tout simplement ça se passe bien et que la chaîne soit cool, c'est que il manque un petit peu de temps de visionnage. Donc je vous invite à bien regarder les vidéos en entière, à pas hésiter à aller voir s'il y a des tutoriels que vous avez ratés, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour être au courant des nouvelles vidéos, etc. Donc il manque un peu d'heures de visionnage pour tout simplement activer la monétisation YouTube. Donc la monétisation, c'est une fois que j'ai 1000 abonnés, donc ça c'est fait, c'est génial, c'est grâce à vous. Et il me faut 4000 heures de visionnage, et là on est à peu près à 2000 heures de visionnage, même presque, enfin pas encore pile 2000, et il m'en manque du coup 2000 autres. Donc une fois que tu auras la monétisation activée, ce qui va être génial, c'est que l'argent que YouTube me donnera va me permettre, donc via les publicités, va me permettre tout simplement d'acheter petit à petit plus de matériel, donc d'investir dans un micro, parce que là je utilise directement le microphone de mon ordinateur, c'est plutôt correct, mais bon, c'est pas parfait. Ça va aussi pouvoir m'aider à financer plus facilement les gemmes, parce que quand je veux faire des pack opening, l'argent pour l'instant il vient de ma poche, vu que quand j'aime, c'est de ma poche, donc je peux pas en faire des masses. Mais si je gagne un peu d'argent grâce à YouTube, j'irai plus facilement faire des pack opening. Bon, là pour l'instant j'ai tous les brawlers maxés, donc je vois pas trop l'intérêt non plus de faire des pack opening, mais quand il y a un brawler légendaire qui sort, ça peut aider. Et puis tout simplement, ça peut aussi m'aider pour n'importe quel autre type de setup, des lampes, de la mémoire pour stocker mes vidéos, acheter des effets, enfin bon bref, on va dire que la YouTube Money ne pourra que m'être utile et bénéficier à une meilleure qualité, et puis évidemment à me motiver à continuer de bosser pour vous fournir un contenu qui me fait kiffer et surtout qui vous fait kiffer. Du coup, je vous laisse avec la fin du gameplay où je vous montre en fait, et je vous donnerai des petites astuces en plus au cours de la vidéo pour vous aider à monter votre Ambre rang 25. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur, ça fait super plaisir, tout l'investissement en quelques mois à peine qu'il y a eu sur ma chaîne. On est déjà plus de 1000 abonnés, c'est vraiment génial. Je vous encourage à continuer à en parler autour de vous. Vous faites partie d'une communauté, on l'a créée ensemble. Ok, elle est récente et c'est génial, et ça fait super plaisir de voir que des jeunes et des plus ou moins jeunes sont sur la chaîne et suivent ça avec attention. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis je posterai dans l'onglet communauté dès que je l'aurai débloqué pour un petit peu interagir avec vous et tout simplement voir ce que vous préférez vraiment. Du coup, on va faire la dernière game ensemble. On va voir toutes les erreurs à ne pas faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, typiquement, j'ai suivi simplement la stratégie. Je suis allé au mid et j'ai fait en sorte qu'il y ait un peu de ma flaque de mon gadget qui soit dans le buisson pour que je puisse recharger mon ulti sans me faire choper et sans que les autres me voient. Du coup, je charge tranquillement mon ulti sans me stresser. On est déjà en top 8, donc il y a déjà deux personnes qui se sont fait désinguer pendant que j'ai juste suivi la stratégie. Là, j'observe qu'il y a une Shelly et un Mortis qui sont en train de faire une alliance. Donc il faut juste que je fasse attention à cette zone, que je reste quand même à distance, mais il n'y a pas de problème. Et là, si je vois que la Shelly veut trop se rapprocher dans la flaque, je vais essayer de l'enflammer si je le peux. Après, si je rate, c'est la vie, c'est pas grave. Je temporise, on est 7. Donc vous voyez, rien qu'en adoptant une stratégie simple, vous pouvez déjà gagner des places dans le top. Donc c'est sûr que ça marche, enfin, la stratégie elle marche forcément, dans le sens où c'est mieux de suivre une stratégie qui fonctionne
et où il y a des preuves simples, c'est que voilà, si vous êtes calme, vous êtes tranquille, bah ceux qui sont excités et qui font n'importe quoi, ils meurent avant vous. Donc ne soyez pas la personne excitée qui meurt facilement pour rien. Soyez celle qui temporise quand il faut temporiser. Ça sert à rien de foncer dans le tas pour rien. Donc là, on est tranquille. On essaie de gratter un peu des points de vie sur la Shelly. On est voilà toujours en top 7. On descend un petit peu et puis on gratte notre ulti. Et on essaye de sécuriser la zone. Là, vous voyez que j'ai perdu un peu de vie. J'ai pas des masses de munitions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais envoyé une flaque vers le haut pour empêcher la Shelly de venir. Et puis là, on va pouvoir la terminer. On est en top 6. Billy se bat contre le Poco. Le Mortis, il est un petit peu en attente. Et il s'est fait péter. Donc nous, on peut terminer le Poco. Et on fait un top 2 vraiment sans trop se fatiguer. Bon là, le Mr. P, il est à 5 gemmes, donc ça va être compliqué. Mais nous, notre objectif, c'était de passer rang 25. Et avec le top 2, on l'a. Donc on essaie de gratter au maximum. Mais voilà, le pingouin avait son usine. C'était plus compliqué que ça. En tout cas, bref, on est passé rang 25 super facilement. Donc il suffit de suivre la stratégie. Encore une fois, un grand merci à vous pour être si nombreux sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je crois que je vous l'ai assez répété, mais il faut vraiment que ce soit clair. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao !